et funérailles nationales. Eh bien, jusqu'à présent, pour qu'on gagne rien qui définit. Yo. Mais le président Jovenel Moïse, parmi tous les décrets qu'il a pris, il était pour un décret en mars 2020 qui était tracé déroulement funérailles présidentielles. Et c'est lui-même qui bénéficiait de l'étout. C'est sous lui au premier et m'ta capable de dire exécuter lui, exercer lui. Alors nous capable voir dans cérémonial là, tu gagne l'hymne présidentiel et l'hymne national qui était exécuté par fanfare force armée d'Haïti au commencement et à la fin. Tout ça c'est prévu par le décret. Normalement, bien quand on pose des questions, hein, et il y a tout un cérémonial, mais il y a un bagage tout qui n'est pas fait parce que quand un chef d'État mourit, il faut qu'il y ait un monde qui parle au nom de l'État. Il est clair que pas de personne qui parle au nom de l'État. C'était la famille présidentielle qui a parlé, un seul président qui a essayé de parler, qui n'a pas de courage pour le parler, petit garçon là. Absent, Capi? Non, je ne peux pas dire ça. L'État n'est pas absent parce que le premier ministre en fonction, Ariel Henry, était là. Et il y a un nouveau ministre en fonction qui était là. Et ce fois, nous. Non, pas forcément. On met les bagages là dans le contexte. Dans le contexte sociologique, politique, historique. En 50 ans, ça fait deuxième fois que nous faisons enterrement président. Dans deux contextes différents. En 1971, c'était l'enterrement François Duvalier qui était fait. C'était petit qui était pour un pouvoir. L'enterrement, ça a été fait 72 heures après. Officiellement, François Duvalier était mort le 21 avril 1971, mais autant dire le 24 avril. C'était la dictature et c'était un enterrement qui était très différent d'enterrement. Ça a été toute délégation de toute force vive du pays qui a défilé dans la rue de l'enterrement. Et t'as intention tout, mais entièrement ça t'as intention, t'as intention politique, tellement t'as intention politique, t'es gonti vanté dans la rue de l'enterrement, deux feuilletoles qui font bruit, moun courri, c'est pas deux souliers que t'es été dans la rue de l'enterrement, parce qu'à l'époque, l'enterrement chanté dans la cathédrale Port-au-Prince, et puis t'es fait rue de l'enterrement tout droit pour aller dans le cimetière, mais c'est pas, en pile monde, délégation l'école, délégation équipe football, délégation jazz, délégation, l'église catholique, etc. Tout le monde était là, dans l'autre contexte. Et entièrement, ça a fait une ambiance de tension. Alors, il faut me signaler tout. Entièrement, François Duvalier, pas de délégation internationale. Pour un paquet de raisons. Ce n'est pas parce que le pays n'a pas de relation à l'autre pays, c'est parce que tu as une tension, en plus, le monde est suspect, capable de gagner des autres d'enterrement, parce que un an avant entièrement, François Duvalier, le 24 avril 1970, il y a un gars de côte qui était révolté et il a tiré au bus au palais national. En plus, le monde pensait que c'était ça, c'était l'affaire de Kaya, le colonel Ovitav Kaya, que c'est bagaille ça qui était porté François Duvalier. Alors, je fais mise en contexte ça. Nous n'avons pas d'habitude de faire enterrement président. Dans un siècle, c'est deux présidents qui mourent au pouvoir. C'était Vilouin Guillaume Sam qui mourut en 1915, ça fait 106 ans, et les mêmes qui mourent de façon violente. Et François Duvalier qui mourut de mort naturelle sous pouvoir en 1971. Alors, entièrement, ça qui t'a fait au Cap-là, n'importe qui n'a pas qu'à la donne. Nous, Bob, nous dit que, bagaille, tika, ou tchou, pas qu'à faire mon aller, c'était pas facile. Quand t'as allé dans l'avion, quand t'as allé dans la machine, c'était extrêmement difficile. Pour quitter l'aéroport pour entrer dans la ville là, c'est un parcours de combattants. L'enterrement pour quitter contre dormir dans un cas où dormir dans un hôtel où dormir pour venir tourner pour entrer dans l'enterrement dans Madeleine pour te passer par Madeleine pour entrer dans village SOS là pour te passer par haut du cap parce qu'il y a deux façons pour entrer pour monde qui connaît au cap, c'était extrêmement difficile et il faut féliciter la police du cap en particulier qui fait un gros travail. Moi vraiment t'as pas tant de gens qui mourent. Heureusement, pas de gens qui mourent. Il y a des gens qui sont victimes, des machines qui crasent, des machines des officiels qui crasent. Même pas de gens. Bon, pas oublier, c'est mon nom, c'est mon nom. Bah, comme ça, on dit, j'en compte terrain.
Mais un monde nous reste là, il faut nous féliciter. Parce que je pense qu'il y a un monde qui même vini dans l'enterrement, qui arrive au cap, qui pas qu'à vini dans la cérémonie, tellement c'était difficile. Mais l'hôtel, il n'a pas le descendre, a annulé les réservations, donc il est obligé de retourner et pas de prince tout de suite. Mm. C'était difficile. Alors, cela parce que d'après le point, c'est un problème sécuritaire, mais un problème logistique. Pas de gain assez d'hôtel au cap qui pour prendre tout le monde. Parce que il y a des gens peut-être qui ne peuvent pas venir. C'est parce qu'ils ont essayé de faire une réservation et pas de place. Pas de place dans l'hôtel. Alors, Avio qui arrivait, mais est-ce que c'est ça qui expliquait? Pas de gain. Aucun ancien président pas de présent. Et nous pas de représentant l'église catholique tout. Oui, mais tout ça a entré dans l'ambiance là. Moi-même, je ne peux pas prendre d'explication pour les gens qui ne peuvent pas parler, puisque ce n'est pas votre parole. Même capable de comprendre, pas oublier que M. Moïse mourit dans un contexte, au problème de lycée frappé avec plusieurs secteurs. L'église catholique, là, tout, il y a des problèmes ouvertement exprimés avec M. Moïse. Yon évêque, c'est pas bienvenu. Non, enterrement, parce qu'il faut regarder aspect ça tout. Là, regardez, prêtre qui célèbre enterrement sorti fort de Dedel. Bah, on se nous comme ça. Et elle te vient à toute sécurité, li, qui sont garde de corps, on est costaud, mon uniforme qui souvient. Non, depuis ce champ de masse là. Oui. Depuis ce champ de masse là. Uniforme haïtien que ce monsieur. Alors, son est qui vient pour ça même. Alors, tout ça, ben, nous, on sort d'indignation pour montrer que c'est vrai, faut féliciter le fait que nous arrivons fort enterrement. Mais nous paraît tout comme un pays qui n'est pas fréquentable. C'est ça qui explique. Malé au-delà des indignations, Capé, nous connaissons une convention avec traité haïticien, donc convention avec l'Église catholique, pour qui ça sont prêtres qui chantaient funérailles, chef l'État, Jovenel Moïse. Alors, je ne pas vous anticiper. Comment est-ce que les prémonitions, paraît-il que le président Moïse te gagné pressentiment. Yo dit c'est l'icté dit s'il mourir c'est mon ça pour enterrement. Alors on pas gagné ça dans source. Bon, source qui t'a plus fiable là c'est Martin Moïse, c'est pas l'icté ça mais gagne l'autre monde proche lui qui dit ni côté l'intérêt ni j'enterrement fait là, il t'a demandé ça. Bon, alors maintenant si c'était volonté lui même que sa volonté soit faite. Oui non, le prêtre dit son proche famille. Oui. L'église catholique a toujours respecté ça, d'autant plus que son monde de l'église catholique et heureusement son haïtien. Alors, bien content ça nous fait, nous pas seulement garder sous ça qui a fait, mais nous garder sous ça qui fait là et sous monde qui était présent. Et t'as gagné en pile monde qui était venu, monde dans le peuple là. Et t'as gagné plus monde qui vient, t'as gagné en pile monde dans l'enterrement si pas de gagner toute tension politique ça. Ou gagné monde, famille, président qui était voulu sortir. Autour du Nord, pas de Kavimi, il y a des gens qui te voulaient sortir, ou Anahmet qui bloqué, parce que la route là était bloquée dans le niveau Libonade. Pour passer par la route, côté passé par plateau central, tu as un problème sur la route là. Que pour te passer par Pilbo, tu as un problème pour Bolembe. L'offre pour entrer dans la ville là, c'était extrêmement difficile. Alors, attention, alors, comme dit nous, ça te fait attention en tout. Normalement, on a les refrains politiques. Les refrains politiques, là, ils ont servi prétexte pour les gens qui ont l'autre bagaille à régler. Et on pratique depuis quelque temps, les activités à faire dans la ville, particulièrement au Cap-Haïtien, président Vie, mais ou bien un gros coup d'activité, une fête nationale, il faut arroser, il faut avoir l'argent en base. Il faut ça pas de bien l'argent en base, parce que, un, le premier ministre Claude Joseph était très hésitant pour la signer pour qu'on sorte. Le premier ministre Ariel Henry fait qu'entrer, t'es hésitant pour le faire, tout d'autant plus que Mme Martine Moïse, ton petit Jean, mettons mise en garde sous bail ça, alors pas de bien compte pour bail. Oui. Alors maintenant, dans le monde de bail ça, en plus de bail pas de compte pour bail bail, là, il y a une manipulation politique, tout le bail a pris clé, etc. Il y a une vagabond tout volé qui profitait en entrer dans bail là. Yeah, yeah. Il y a dit qui moun qui était là, qui moun qui pat là, qui moun qui te gen doit vle, qui pat ka vini, c'est le cas du président Michel Martelly. On pensait qu'il te vle vini, mais qui te manifeste le nom Mipana, et qui te fait tweet, qui fait un voice, bah, comme ça. Probablement son tweet en prévision avec tout ça, yo, genre situation a été dégénérée l'autre bois, avec ça le tendait à la veille et tout. Exactement, d'autant plus que, dans la manipulation qu'a fait, yo, gen bagay qui t'a dit sous président Martelly,
pense que Jean dit dans tweet là, c'est une décision de sagesse parce que imaginons un officiel vini ou bien on VIP vini et puis maintenant yo vle attaquer li sécurité l'obligé tirer sur moun moun mouri, non pas de besoin ça. Alors la décision de sagesse, si on moun te senti pas en sécurité, par exemple le général Prosper Avril, l'ancien président Prosper Avril, patal au cap mais dans Mipana le 19 et il était avec madame, il pas jamais marché sans madame ni Mipana ni au cap. En plus, le monde questionne ça. Ah, oui, et ces derniers jours, écoute plume li qui te fin débordé pour te aller dans bay comment reléa. Et il y a des gens qui m'ont dit tout. Et les gens, même quand ils sont pas là, ils ont dit qu'ils ont tweeté dans la nation. D'un coup, Jacques Guy Lafontaine, ancien premier ministre, Henri Séan. Et Jacques, t'es là? Jacques, t'es là? Ou, Jacques, t'es là, Capé? Ou t'es ouais, Jacques? Alors maintenant, je suis d'accord avec nous en partie. On ne peut pas être capable là, parce que pas capable trop blâmer au monde s'il part là, parce que c'est difficile, mais. Ou capable de manifester ou d'une manière ou d'une autre. Par exemple, la délégation américaine est obligée de quitter la cérémonie bien bonheur. Et les États-Unis, c'est le pays qui te voit une plus grosse délégation, même si ce n'est pas une délégation qui a un niveau par rapport à l'événement. Parce que quand même, soit un président de la République qui mourit, le monde qui est venu, ce soit Joe Biden ou bien vice-président américain, à la rigueur, le secrétaire d'État des États-Unis. Oui. Même si vous voyez ambassade, etc., vous avez un peu de monde, une délégation qui est chargée, mais vous avez tiré parce que à un moment déterminé, il y a un dans la population qui a besoin d'entrer dans l'espace qu'on a en fait là, la police oblige à tirer gaz lacrymogène, et bien sécurité, délégation américaine a demandé pour y aller. Et on connaît que VIP n'a pas forcément fait ça. Si sécurité dit bon, on va responsable, encore faut nous aller, faut nous aller. Songez dans Benghazi, bon ambassadeur américain qui mourut dans conditions difficiles. Depuis là, ça n'est qu'un responsable de sécurité avec un gros charge sous dos. Alors, il y a tout aspect ça pour nous contrôler. Bon, moi-même, je ne vais pas blâmer personne parce que moi, je suis là parce que ce n'est pas ancien premier ministre. Capté là, c'est militant qui compte rien, qui compte mener bataille difficile, qui compte qui j'ai pour passer. Si bagaille là, dit nous tapons là quand même parce que nous devons là pour plusieurs raisons. Parce que nous pas accepté Jean Retouillé, président Jovenel Moïse là. Oui, nous avons une divergence avec lui, mais nous toujours considéré comme un monde qui sont dans la même matrice sociale avec lui. Très bien. Nous pensons que c'était une devoir patriotique pour nous être présents, pour nous dire moun qui a assassiné, il n'y a pas fait ça encore. Oui. Et pour nous, ouais, tout, c'est la réconciliation des pays avec pays. Et nous remets Jean Petit président te parlé pour dire que Dieu président ferme. Mais j'ai l'ouvrir même. Plus j'ai Timonio, retour l'ouvrir. Nous savons pas. Capé, comment est l'opération? Une opération pour le couille. Bob. Non, ça important. T'as l'air, bon, finir dans la funéraire. Là, après, on va regarder après. Par exemple, Gagnon. Cercueil, l'un qui pas l'ouvrir du tout. Est-ce que d'habitude c'est comme ça fête et l'on président de la République mourir comme on te prend exemple François Duvalier et est-ce que cercueil là c'est normalement que le pas doit l'ouvrir pendant exposition cadavre là? Non, il y a des choix qui fait parce que les cérémonies tout même si son président pour son monde gagne des cas côté monde n'a mourir. Et famille monde n'a pas le baillon image si image n'a pas désagréable vous fermez cercueil là vous mettez une photo. Nous voyons ça dans pile en terme en aller. Et dans condition président Mouri Jean, il dit, il est mutilé, il va comme ça, défiguré. Je ne sais pas quoi pour un bon bagage pour t'exposer un cadavre comme ça. Alors ça, c'est des choix. Parce que même si bah, la officielle gagne un poids famille, tout famille dit, je ne pas voulu exposer cadavre ça. Et peut-être que M. Trois-Van Mouri, il te dit, le Mouri, je ne pas voulu exposer cadavre. Mais, ce sont des choix. Nous ne pouvons pas prendre ça comme critique. Objet secret également parce que gagne un ancien député qui dit ça qui arrivait que au fond croire que président enterré dans espace côté lien et pourtant c'est pas vrai parce que président comme premier personnage je me pas rappeler non qui ça le dit exactement et donc ça qui arrivait que pas bas exactement côté enterré mais ça c'est intimité de la famille aussi parce que cadavre pour famille lié automatiquement normalement. Il y a des pays, comme les États-Unis, il y a des cimetières même pour les gens qui
militaire, bah, comme ça, mais nous-mêmes, nous pouvons arriver là. Alors, même pour t'as fait choix, pour mettre mon panthéon, son loi couple pour faire ça, c'est pas qu'on s'en prend. Même si tu es président, pour t'as mettre les Jovenel dans panthéon, hein, c'est une loi qui est faite pour faire ça. Alors, maintenant, je pense que famille a un droit ça. Famille a un droit parce que les cérémonies ont fini. Maître de cérémonie a dit tout le monde, bon, merci beaucoup. Quitter les cérémonies pour l'entrée dans la terre avec famille en toute intimité. Alors, soit famille avec cadavre là, je pense que ils sont capables de faire ça. Et l'autre monde pour obliger d'être impliqué là-dedans, à part de monde, ils choisissent. Puis près que nous gagnons, dont chef l'État qui est mouru, c'est François Duvalier, d'ailleurs, rappelez ça. Et tout exemple, on prend à partir de François Duvalier. Nous, ouais, tout François Duvalier, t'es gagné de soldats de l'armée qui t'a veillé cadavre. Est-ce que dans le cas Jovenel Moïse, ça t'a possible tout? Ce n'est pas le même. Et côté enterré là. Ce n'est pas le même contexte. Il n'y a pas de cas veillé Jovenel de vivre, il n'y a pas de cadavre à veiller, vous comprenez? Et parce que, pas oublier que, bon, il y a un aspect dans la question. Jean-Président Moui, sécurité. Sécurité président, c'est l'armée qui fait ça. C'est question de craser l'armée, et puis c'est la police, pas comme ça. Même si un gagnant, trois corps, trois unités spécialisées qu'il a pour sécurité président, jusqu'à présent, même moi, je m'a posé peut-être une question comment ça fait fait. Mais en général, c'est militaire qui fait travail ça, qui a une unité présidentielle. Et François Duvalier, il était non bien de dictature, il était un monde qui a une réputation mystique. Il a été veillé cadavre 24 sur 24 dans le cimetière Port-au-Prince jusqu'au 7 février 1986. Et le peuple a été déchouqué. Et Tom François Duvalier et Tom Général Jacques Gracia. Donc, Capé n'a pas trouvé une équipe du fond là, parce qu'il a toujours un rapport à l'amour, parce que nous avons un marché pressé. On pique des vents qui ont fait dans la Cour des comptes là, un rapport à El Diamante qui a parlé. En pile cause y a parlé là donc comment ouais a fait madame Kok la Cour des comptes là ou pas gon opinion sur ça. Bon, maintenant comme la Cour des comptes fait partie de la justice administrative, maintenant parce que il y a un problème pays d'Haïti, c'est que son justice là, c'est que son justice là qui pas clair, qui a fausse côté, il tire ficelle etc. Ça vient faire personne pas croire dans rien. Si gen lumière qui a fait son série de questions, la justice qui a dit dernier mois, l'État a un bon bagage pour le pays. Mais c'est la justice là qui fait équilibre, c'est pour créer ambiance vivre ensemble. C'est ça qui fait la question justice, mon qui mourit, mon qui a fait discrimination, tel qui mourit, pas de justice. Oui, Evelyne Sincère besoin de justice, mon Félix Doval besoin de justice, Diego Charles besoin de justice. En même temps, toujours Jovenel Moïse besoin de justice, parce que c'est un citoyen pays, c'est ancien président pays. Et gagne l'autre amalgame y a fait Jovenel Moïse pas des salines. Non, pas des salines. Comment il a fait des salines? Jovenel Moïse est fait en 19e siècle, des salines étaient faites en 17e siècle. Des salines signe à fin du mois dans ce pays. Nous pas qu'à dire ces mêmes mots. Mais il est clair que Il y a des points de ressemblance. Yo mouri même gens. Dans l'action. Yo mouri même gens. Yo tape mena même bataille. Qu'on d'accord, qu'on pas d'accord. Alors qu'on peut faire comparaison. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a même parcours, il y a même profil. Alors, il n'y a pas besoin de faire amalgame ça. Et en même temps, tout, l'homme qui mourit, il est capable de toujours faire procès, c'est un homme public, mais qui est même moi, il est en paix. On fait preuve de plus de sens de responsabilité, de décence, etc. Alors, mon qui est là, mon qui est là, je pense que mon qui est capable d'expliquer, mais même moi, parler pour me dire qu'il y a raison qu'a fait mon qui capable là parce que depuis on vont à l'ocap mon qui mon la ca ou famille Abdou attention monsieur a mouri déjà fait attention c'était pas facile c'était pas vraiment une décision facile à prendre ni à gérer l'ordre de sous place. Moi-même, m'abdou bien. M'abdou j'en fourre bouche, moi, n'a fait petit bois, m'de quelqu'un qui n'a pas d'accord avec moi pour ça. Parce que, m'abdou comprenne. Moi, m'pense que, plus gros problème encore, c'est le problème de justice. Tout bagaille fait sous pression. Tout bagaille fait dans la presse. Automatiquement, yo dit que c'était montage. Tout le monde dit c'est montage. Maintenant, c'est question qu'on me posait.
ces questions qu'on pose, par justice, je ne vais pas prendre pour justice. Hein? Mais il y a un peu de bagaille qui est capable de questionner, il y a un bagaille qui est capable de questionner politiquement. On est capable de demander pour qui ça, il y a autant de personnalités qui prennent dans l'espace à tel moment déterminé, et par rapport à Rio, par rapport à ça, il représenté, par rapport à ça, il accusé, ou par rapport à documents qui étaient joints, même pas qu'à tirer conclusion. Pas qu'à tirer conclusion, et quand même, le discours de Mme Moïse, son discours qui est bien écrit, qui est bien balancé, son discours très politique, c'est pas au hasard qu'il fait allusion à Tiboua. Et dilemme nous et jeudi en là côté me besoin arriver avec vous gon cérémonie marché pressé pour la Cour des comptes alors que même pas qu'on souhait mandat ça qui sur réseaux sociaux guerrier et puis nous connaît que la Cour supérieure des comptes lui-même et en fonction des rôles que le jouer dans société a journée jeudi en l'état doué gon minimum pour la justice qui a travaillé son question parce que il y a une investigation qui a mené, la police fait fouille en Dankai, il y a un rapport qui dit qu'il est identifié avec Colombien, il y a une réunion qui est faite sous planification assassinat président, et puis, on sent que une séance marché pressé qui a fait pour capable bail mon nom certaine couverture et donc dans sens ça et c'est là une question nous avons tout confirmé pour mandat c'est vérifié d'accord. Donc d'accord. Mandat d'amener contre juge Wendell Coque Tello et gagner un mandat tout contre commissaire divisionnaire Jean Laguel civil dans cas d'enquête sur assassinat président Jovenel Moïse là oui capé. Comment ça t'a souhaité que vous pas utiliser cadavre président pour faire surenchère, j'ai rien mon capé CFL pour régler bagarre politique, ni pour persécuter le monde. Mais que justice l'a faite, et j'en pour le fait, que y arrive son monde qui fait crime. Parce que c'est une question, en pile, on a posé, je veux dire. Crime, ça a coûté en pile quoi. Dans le monde, y a arrêté jusqu'à présent, il n'y a pas une réputation capable de payer comme ça. Alors, c'est la plus grande question de la population. Et réticence qui te gagne pour finir la baguette en fait, pas fait, etc. Il n'y a pas quoi avoir une justice. Il voulait qu'on ait qui moune qui paye. Parce que qui finance commande, qui moune qui te gagne financement ça pour payer grosse opération ça. Ils sont bagages qui coûtent gros l'âge. Moi-même, pas dans stigmatiser des personnes. Même penser que moune qui pensait comme ça, il y a une raison. Sauf, même si en termes en fait, enquête là qui a continué parce que cadavre l'a parlé déjà. Parce que pour qui sortait besoin de cadavre, c'est pour faire le parler. Parler cadavre l'a me dit, il a fait autopsie. On pensait que toutes données scientifiques qui ont rapport à cadavre sont disponibles. Alors même si le président a enterré, il me dit ça, c'est pour le peuple qui a comprendre. Élément qui peut permettre de faire enquête là, enterrement pas empêcher ça fait. Ça nous voulait fort qu'on ait pour image et prestige une institution. Tant que la Cour des comptes et du contentieux administratif, il y a un monde qui a des révélations qui fait contre lui, pas non affaire petit non, assassinat un président de la République, la Cour des comptes dans marché pressé, n'est pas qu'à venir faire tête, les passer comme entrave à la justice dans pareil dossier. Eh bien, il n'y a que d'attendre, parce que quand même, il y aura le réunir, peut-être question en cas soulevée, etc., pour nous comprendre. Ça, pour nous comprendre bien la situation haïtienne, non? Toute institution est en crise. Toute net, coup de compte là tout. Toute institution indistinctement en crise. C'est ça la réalité haïtienne. Alors, moi, content nous font y parler, m'a dit toute famille président, condoléances, tout le monde qui a tristé, condoléances, et que, bon, en termes de fait, dans une grosse division, même tu as souhaité que nous ne continuions pas la division pour nous mettre l'autre dans le pays, pour nous faire un pays, pour nous organiser l'État, pour nous suspendre l'ambiance nous avons là, dans un pays pas fréquentable, pour aucun président pas venir. Par exemple, le président Moïse a prêté serment, Danilo Medina est président de la République dominicaine. C'est peut-être le seul président en fonction qui est là. Mais fois ça, même si tu as venir, les services secrets d'un pays étranger, pas quitter le président de non pays, côté la police dans le pays, il n'y a pas qu'à bailler même président pays à sécurité. Comprendre la question, parce que c'est pas parce qu'il y a Haïti, non? Mais Haïti n'a pas d'image pour faire monde fréquenter. Il
faut changer d'attitude, faut un sens de responsabilité, faut organiser le pays. Faut l'État vraiment montrer le gain capacité pour faire respecter le pays. Alors c'est comme ça pour nous le problème. Non, c'est pas reprocher pour nous reprocher mon yo, délégation américaine dans tes pays, mais balle à tirer, mon yo gagne la vie pour yo sauvegarder avant tout. Ça sont l'autre forme non pays qui pas culture de justice d'ailleurs ou tapement de justice pour tout l'autre monde qui victime. Yo. Est-ce qu'on pensait président Jovenel Moïse a besoin de justice? Bon alors, pour t'expliquer que toi type de justice, la justice divine, bon Dieu connaît ça qui passe là déjà. Bon justice juridique, bon, l'a toujours contesté. La mentalité ne pas quoi dans rien, quel que soit résultat officiel d'enquête, là l'a contesté pas encore monde. Mais il y a quand même un résultat qui sorti pour des raisons diverses. Même pour sécurité, l'autre président qui est entré tout le président dans la chambre, il ne veut pas quitter ça passer comme ça. Parce qu'il y a une implication internationale dans l'enquête qui a fait sous la mort et un Jovenel Moïse. Là. D'une manière ou d'une autre, il y a gagné un aboutissement officiel. Mais il y a la justice politique, nous avons parlé. La justice politique, là, c'est le peuple qui prend en main. Qui fait Jovenel Moïse avant de mourir, il n'y a pas même Jovenel Moïse après la mort. Et c'est là, nous avons une nouvelle dynamique politique avec l'image de Jovenel Moïse, qui était victime, il faut admettre, de Sam Rélé, assassinat de caractère. Bien avant, il a assassiné physiquement, il a été assassiné tel, et il faut que pratique ça, suspendre tout dans le pays d'Haïti. Comment vous voyez? Et dit, après Jovenel, on a parlé de gestion pouvoir avec international là, qui arrivait imposer hein, pour non seulement dans le premier temps, tu dit c'est Claude Joseph qui reconnaît comme premier ministre, dans le deuxième temps, mandé Ariel Henry pour former gouvernement, malgré gagner en quantité de partis politiques et d'organisations qui ont même souhaité que c'est Joseph Lambert et Ariel Henry qui dirigeaient le pays. Et international là, décidé. C'est Ariel Henry et sans présence yon président de la République jusqu'à présent. Bon, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Premièrement, c'est faiblesse non comme pays. Faille nous gagne dans la Constitution. Bon, M. Jovenel Moïse, t'es voulu faire un référendum qui était très contesté. Mais le problème de la Constitution, il posait problème succession président. Pas oublier que dans le commencement de ça, 7 février 2021, t'es gagné un gros controverse entre deux articles de la Constitution, 134.1 et 134.2. Qu'on y a une interprétation de l'article 149, ça veut dire que jusqu'à présent, il n'est pas clair qui vient pour remplacer son président. Il y a trop de monde qui est capable probablement remplacer son président. Alors, son question pour nous régler. Deuxième problème, non, c'est question absence de consensus. Là. Alors, il y a une rivalité, pour nous comprendre, entre monde qui trompait de situation. Le président Jovenel Moïse n'a pas été renversé par l'opposition. Il était assassiné. Alors là, nous vivons une sorte de continuité du pouvoir de Jovenel Moïse. Il faut admettre le premier ministre Jovenel Moïse, Ariel Henry était nommé par le président Jovenel Moïse. Il y a une sorte de cohabitation. Mais le pouvoir était encore essentiellement la continuité du pouvoir de Jovenel Moïse. Il y a une nécessité pour faire un consensus qui est capable de créer un équilibre. Que même Jovenel Moïse te reconnaît faut être fait, mais le fait que nous pas créons une instance qui pour dire le dernier mot sur le plan national, nous créons un boulevard pour Blanc qui prend une décision ça. Et deuxième considération, toujours une rivalité entre le président de la République et le premier ministre. Dans le contexte succession ou bien transition difficile, là, que rivalité entre un président provisoire et un premier ministre par intérim vient créer un blocage dans le pays. Là, m'a réfléchi par l'absurde, c'est pas information bien, non? Je pensais que tout ça capable d'expliquer décision qui fait jeudi à son premier ministre qui a la tête, qui a la charge du pays dans l'esprit de l'article 149 de la Constitution. Inquiétude profonde PRR là, l'ichita du fait que les nous connaît en pile dans mercenario. Yo gen ek fè 6 mois dans pays a, gen ek loje dans hôtel qui très très cher dans pays a, gen yo paye appartement pour yo et puis c'est location des machines qui coûtaient très très cher, yo t'a roulé comme machine location et yo fait état de 7 Nissan Patrol qui fait intervention kay Jovenel Moïse dans nuit assassinat, gen 5 blanches avec deux autres yo noir. Donc on bagaille comme ça, c'est pas un petit l'argent petit. Yo PRR
questionner tête, est-ce que nous-mêmes dans la classe politique là nous questionner coup assassinat président Jovenel Moïse là et qui est-ce qui paye facture ça yo? Qui est-ce qui en mesure pour payer gens des factures ça yo? Alors moi de connaissance moi du terrain politique haïtien, il y a très peu de monde, très peu de monde qui dans politique active qui est capable de dépenser l'argent comme ça, qui est capable de jouer l'argent comme ça. L'opposition traditionnelle haïtienne n'a pas de capacité, même si on met ensemble, pour être collecté l'argent, pour payer le crime. Parce que le crime, ça, l'écoute en pile cob. Parce que, on m'a dit déjà, il y a une tradition que yo pétrouillé président. Yo pétrouillé président. Et parce qu'en 1991, on a fait une enquête pour porter quelques soldats. Pourquoi ça ne va pas tout Jean-Bertrand Aristide? Parce que l'autre yon président, toute forme est fou. Alors, c'est une raison qui fait que vous voulez chercher un mercenaire étranger qui n'a pas un réflexe. Ça, qui, mais non seulement vous tué Jovenel, mais vous mutilé. Alors, là, on a dit qu'on ne peut pas comparer la Dessalines, mais il y a des choses qui passaient qui semblaient. Dessalines, vous avez. Ça capé en pile monde dit c'est mercenaire qui était en vini exécuter président yo t'a bal nan tête bal nan ke al fait out yo mais yo fait cadavre la parler crever gel couper pied et puis casser poignette li yo fait cadavre la parler son signal que vous voyez crime ça pas ca un crime qui t'a seulement sous responsabilité mercenaire yo et sans pile monde dit dans la rue hein. Moi comprendre ça tout gon haine c'est ça qui fait fort monde très prudent mais ça me te vle dit par rapport à Dessalines, yo te mutilé Dessalines après sa mort. Là au fin tuer lui, yo mutilé, coupé doigt, prendre bagay comme ça. Tellement dans l'histoire, c'est deux moun fou pour enterrer Dessalines au moins Jovenel Moïse enterrement. C'est deux moun qui te prend pose fou yo. Et de Basile que l'histoire connaît sous défilé la folle avec un certain dauphin, yo passé dans l'histoire comme moun fou yo, tellement te raï Dessalines. C'est deux, et vous n'avez pas parlé de Dessalines, et puis 50 ans après, pas qu'à citer non, c'est deux mouns qui te prennent pour être fou, ramasser Timoso qui était mettre dans un sac pour aller la gueule dans le cimetière qui était dans l'église Saint-Anne. Alors, dans le cas de Jovenel Moïse, ils ont mutilé tout vivant, paraît-il, ce qui est extrêmement dur, parce que là, il y a Léo Pétésion, mon cassé, pour être tout, mais pas quoi exister encore, pas quoi le cœur est capable de supporter que ces chocs ça. C'est là un élément de l'enquête pour qu'on ait pour qui ça pour pas assassiner un monde pour qu'un gros âme pour obliger faire passer toute misère ça yo. Est-ce que pas de humiliation là-dedans, pas de vengeance personnelle là-dedans? Ce sont des questions que cette enquête là capable de répondre yo. Tu voulais faire cadavre là parler comme signal qu'il y a voyé par partisans ou bien proche Jovenel Moïse? Même pas quitter sur la personne de Jovenel Moïse, c'est vous regarder sur monde. Yo pas le droit traiter moun comme ça. Je voulais dire pas là moun qui prend cause Jovenel Moïse là, yo voulait faire quoi si Jovenel Moïse si on traite ainsi le bois vert, qu'en est-il du bois sec? Les capable mon signal tout est adressé à une certaine classe sociale. Faut pas prendre sous personne de Jovenel. Et c'est ça en pile moun pensait. Et moun non par exemple a dit que 5 présidents mouri au saut dans nord, oui c'est vrai, mais la grande partie de moun qui gère pays a saut dans nord. Là, plus de 50% de monde qui dirige le pays a, sur les 58 présidents, c'est dans le Nord qui est sorti. Ça a une explication à ça, Evans Paul? Mais le Nord c'est toujours un bastion de bataille politique. Ce n'est pas au hasard que Bois-Caïman est dans le Nord, que Vertienne est dans le Nord, que Dessalines sorti Grande Rivière du Nord, que Capoil-Lamont sorti Port-de-Paix, que Henri Christophe, etc. C'est dans le Nord qui a évolué, etc. C'est pas un hasard, tu as gagné au départ de au commencement de l'arrivée des tribus, le tribu Mandingue dont moi sorti dans Paul de la Lumière, moi sorti dans Lié. Ah oui. Mandingue là, ça son aspect. Mm-hmm. Et dans le sud tu gagné le tribu Soussou qui était beaucoup plus docile. Et son Soussou. C'est bonjour, mais non, son tribu, mon sa yo, yon pas de kok bataille, j'en neg mandin yote ye, c'est pas au hasard. Alors, gen tout ça qui explique, gen plus neg nan nord qui te occupé et espace pouvoir politique là, et en pile nan yotous, yote si yon ak indépendance là, yote nan bataille indépendance là, yote jou pour wall nan guerre de l'indépendance. Et pour l'histoire encore, pour nous comprendre
en bien si répit qui gagne dans le pays d'Haïti, sur la 35 héros qui signe acte indépendance pays, il y a 33 qui mourent démocratie. 33 mourent, l'autre, ils ont assassiné, l'autre, etc. Ouais, c'est seulement deux qui mourent de mort naturelle. Alors, il y a une bonne bagaille qui traverse le pays d'Haïti. Il faut nous réfléchir pays pour nous poser problème. Dans ce sens, nous vivons ensemble. Il faut nous suspendre. Il y en a tout. Dans tous les cas, etc. Pour les magasins Canes, il y a 80 emplois qui perdus. Nous n'avons pas besoin d'arriver là. Il faut nous dire, peuple, la vérité. Ou pas, ne doit pas se suspecter les gens qui sont dans nos classes sociales. Et pour pouvoir attaquer tout le monde dans la même classe sociale là. Parce que ces pays sont un pays de diversité liée. Il faut que tête graine entende avec cheveux calalou. Parce que dans aucun indépendance pays, il y a une tête graine qui signe un cheveux calalou qui signe. L'aide de Saline a pour il mourir dans brache à l'autre macadieu qui ton nègre cheveux calalou. Comment tout côté que n'a peuplé en faveur de concentration et décentralisation, côté nous souvent rendre responsable Port-au-Prince, tout temps mon a vienne faire ces Port-au-Prince, les institutions tant qu'on valait au Canaise à l'investi dans au Cap haïtien, il fait fierté du Grand Nord. Aller détruire cette destruction de la ville du Cap même. Ça c'est un aspect. En plus aspect créer emploi. Mais quand il y a tout ce monde qui besoin acheter un freezer ou Delco, il va l'obliger acheter dans la République dominicaine, dans Diabon. Pas oublier tout, on paye propre sans quoi, il n'y a pas qu'à marcher sans investissement étranger. Même si on a des ressources naturelles, il dit nous avons l'eau, etc. Pour exploiter l'eau, il faut qu'il y ait un monde qui a un cop qui vient investir. La République dominicaine, ça lié, c'est parti comme taxe collectée. Mm-hmm. Investissement russe, investissement américain, investissement chinois, investissement espagnol, investissement français. Investissement, ça n'est pas venu en Haïti, tout, mais il faut créer stabilité dans le pays. Si on a tout le président, on a de 6 présidents par insécurité qui investissent dans un pays comme ça. Ou gagner sécurité avec justice, c'est des éléments fondamentaux du vivre ensemble pour créer un bain de la prospérité. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée, monsieur, à bientôt. D'accord. Guerrier, il faut que nous disions que ça arrive et joigne nous, il faut que nous disions que faut que nous pas paraître dans l'histoire comme un monde qui campait tant qu'on roule au compresseur devant la justice. Parce que si automatiquement la justice saisit, la justice a travaillé, fouille faite, intervention faite, il y a des révélations qui faites, donc il faut qu'ils font camper parce que image, la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif, nous pas qu'à traîner comme ça dans la boue. Mm-hmm. Et vous voyez, on a venu là, on a appelé le bouillot, le greffe de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif porte à la connaissance du public en général. Et des intéressés.